Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles, vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, les Mars en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis Capricornes, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce sont des énergies hein, donc qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, soit pour avoir d'autres des compléments de ce message, soit pour en recevoir un autre qui peut-être vous parlera plus. Allez, on y va avec l'énergie principale ici de votre tirage. N'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons ici le diable. Le diable. Il apparaît à l'endroit. Donc, ici, vous déployez vos ailes, vos pleins pouvoirs. Vous prenez le manche, j'allais dire. Vous prenez le commandement ou en tout cas vous étalez, vous montrez qui vous êtes et vous dominez la situation, vous envoûtez vos collègues, vous magnétisez tout le monde, vous déployez vos capacités à prendre le contrôle de la puissance des événements qui sont là. Hein. Donc, rien ne vous fait peur, vous dominez la situation tout simplement et il n'y a que à se mettre entre guillemets à vos pieds ou en dessous de vous et à vous regarder faire pratiquement pendant ce mois. Le diable nous parle d'une pulsion animale qui peut être ressemblante à la libido. Évidemment, ici, on parle du professionnel, pas de la libido, mais une force incommensurable de se défendre, de se battre, de remporter des succès. Le diable, c'est aussi l'art de la négociation, l'art de la séduction, l'art de convaincre, l'art de foutre à ses pieds, comme je l'ai dit, les choses qui sont en face de nous. Donc, une force très conquérante, j'ai envie de dire, prêt à défoncer tout ce qui vient sur votre passage, quelque part. Hein. On n'a pas la force, mais on a le diable qui est encore plus... qui peut se montrer vicieux, qui peut se montrer... oui, il utilisera toutes les méthodes, tous les moyens pour arriver à ses fins, même peut-être un peu manipuler son monde, etc. Le charme, l'hypnose, et tout ça, et tout ça. Ok. On va voir avec quoi il se relie, ce diable. De quoi ça nous parle? Alors, ici, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, peut-être quelque chose. Il peut y avoir un événement ici qui vous pousse à agir très, très rapidement, à vous mettre sous pression, sous tension, et qui va devoir vous inviter à sortir prestement des starting blocks, de faire avec beaucoup de détermination quelque chose. Donc, on voit une énergie très poum, poum, hein. On y va, il faut y aller, il faut défendre les intérêts de la boîte, il faut défendre mes intérêts.
Ici, on peut avoir une sorte de friction, mais quand je dis friction, c'est pas forcément une bataille avec quelqu'un. Ça peut être juste un point de tension, une complication, un obstacle ou quelque chose comme ça. Et ici, vous allez être rapidement en quête de solutions, de réponses, d'une nouvelle forme d'intelligence. Vous allez peut-être faire des recherches rapides sur le net, sur les choses comme ça. Ça se fait rapidement, hein. On essaye de rectifier très très vite le tir. Et ici, on a l'as de coupe. Donc, on nous dit en plus qu'il y a une certaine forme de début de réjouissance, quelque chose qui vous donne une certaine fierté ou qui vous rééquilibre, qui vous apaise, hein. Peut-être que vous aviez besoin d'être piqué au vif pour recréer de la détermination, la naissance d'un nouvel enthousiasme, d'une envie d'y aller, de convaincre, de parler bien. Ici, on peut avoir quelqu'un qui a la parole franche, tranchante, hein, et qui va droit au but et qui, finalement, cherche à apaiser quelque chose. Apaiser des tensions, justement. Trouver des solutions. Solutionner des problématiques. Donc, l'as de coupe, une très belle carte qui apporte une certaine forme de joie. Donc, on réussit quelque chose, quelque part. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du respect des règles. Donc, le diable, lui, nous dit que ben, il n'y a pas de règles, hein, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, entre guillemets, et ici, on nous dit quand même, bon, faites gaffe aux trucs un peu limites, peut-être quand même, parce que ici, vous avez une lignée, le bébé qui suit sa maman, la maman qui suit le grand-maman, donc faites attention notamment à la notion de hiérarchie ici, hein, parce que le respect des règles, c'est aussi le respect des lois, de la hiérarchie, de toutes les valeurs déjà préétablies. On réussira quelque chose ici, très probablement, en respectant certaines valeurs, certaines règles, méticuleusement ce que l'on a appris et de comment on a appris les choses. Donc, vous avez les solutions dans l'enseignement aussi que l'on vous a donné probablement ici. Suivre, savoir exactement quelle est votre place aussi dans cette chaîne. Donc, si vous avez des tensions avec quelqu'un ici et que vous déployez vos ailes et votre langue bien pendue pour dire ce que vous avez à dire, méfiez-vous tout de même juste de l'aspect un petit peu hiérarchique. Prenez conscience de à qui vous parlez, quoi, par exemple, hein. Mais vous pourriez trouver des solutions. Ok, avec l'oracle des miroirs, nous avons le boomerang qui nous parle de quelque chose qui pourrait revenir vers vous, quelque chose que vous avez déjà connu, une épreuve que vous avez déjà connue, ou alors quelque chose que vous avez sans vouloir provoquer, c'est-à-dire l'effet boomerang, c'est l'effet papillon. Il y a longtemps, j'ai fait ceci ou j'ai dit cela et ça me revient en pleine figure, les choses me reviennent. Il peut y avoir une situation qui n'était pas solutionnée peut-être, qui n'avait pas trouvé de fin, qui n'avait pas un peu comme si on avait une séparation, là qui restait encore séparée. Pour être en paix avec cette photo, il faut pouvoir la rescotcher, même si on n'a plus envie d'être avec la personne qui est sur la photo. C'est une épreuve qui se reproduit pour qu'elle soit complétée. On a quelque chose à apprendre, hein, de cette épreuve. La culpabilité. Donc, il y a pu avoir un sentiment de critique ou un sentiment de honte, un sentiment d'échec peut-être par rapport à quelque chose et que... on a pu être critiqué parce que, je ne sais pas, je vous donne un exemple, on a perdu un client. Ce client, il y a moyen de le récupérer et il va falloir déployer vos ailes pour rechoper cette personne directement. Ça nous parle aussi de peut-être de quelqu'un qui vous a à l'œil, entre guillemets, hein, qui vous surveille, qui regarde un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Et le diable ici nous parle de charisme, de déployer votre potentiel et de montrer de quel bois je me chauffe et aussi de montrer toutes vos capacités et votre réactivité, hein, avec le cavalier d'épée. Réactivité et performance. Le cavalier d'épée se bat pour l'excellence. Voilà.
C'est dit. L'excellence, bon, le Capricorne connaît, hein, il est sérieux, rigoureux, consciencieux, professionnel. Allez, quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder cette vie professionnelle, la tour? La tour, un challenge, un défi, hein, quelque chose d'inattendu, voilà, on ne s'y attend pas, et ça tombe, paf, et il y a ce point de tension dont je parlais avec la tour, qui peut faire réveiller ce cavalier d'épée en sursaut pour qu'il agisse au plus vite. Ça peut être une prise de conscience, une engueulade, quelque chose, ça peut être plein de choses, hein, cette tour. Elle peut représenter en tout cas quelque chose qui vient vous secouer, qui vient un point de rupture. Il va falloir ici déployer tout son potentiel pour reconstruire ce qui est, ce qui a été détruit. Pas de la même façon, mais d'une autre manière. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Sur la tour, pour les Capricornes. Sur la tour, pour les Capricornes. Tiens, celle-là, elle veut venir. Bon. Ici, on a finalement cette mort et renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui doit recommencer. Donc, on sent quand même un point de rupture, peut-être un point de rupture relationnel, parce qu'on a derrière ici deux personnes qui se parlent. Par rapport à des désirs qui ne sont peut-être pas en commun, hein, et vous, le diable, ici, il parle de ses désirs, hein, il écoute ses besoins et ses désirs. Donc, on nous dit que vous allez peut-être parler cash, que vous allez expliquer vos désirs, vos envies ici dans une situation. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur la tour? Ok, c'est bien entre guillemets relationnel, c'est une conversation entre guillemets où on va parler, on va devoir essayer de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente, de se rapprocher de quelqu'un, tout en exprimant ses convictions, défendant ses convictions, mais en sachant trouver un point d'entente. Donc il peut y avoir un point de rupture, peut-être relationnel avec quelqu'un, et ici, réconciliation, travailler ardemment pour la réconciliation, ou alors pour la reconstruction en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme énergie en face de vous? Est-ce que si jamais il y a un point de rupture, l'autre personne est bienveillante et va pouvoir vous écouter? Le soleil, il y a des solutions qui arrivent ici, des éclaircissements. Donc, l'énergie qui vient vers vous, c'est quand même de trouver des solutions à ce point de rupture, à cette complication, à cet obstacle inattendu qui arrive sur votre route. Bon, c'est plutôt rassurant et ça va dans le sens de cet as de coupe qui nous dit que, en gros, tout devrait aller pour le mieux parce que ça se finit, entre guillemets, bien. Et on recommence sur de meilleures bases. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil pour les Capricornes dans le domaine professionnel en septembre sur le soleil? Alors ici, oui, on a un point de tension, on va dire que c'est la picouse, hein, donc ici, ça nous parle d'un remède aussi, cette seringue, de remettre un électrocardiogramme éteint, de le rallumer, donc de rallumer quelque chose. Il y a un élément de dépendance peut-être montré à la personne qu'on a besoin de l'un et de l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les Capricornes? On retrouve les biens matériels. Ici, ça nous parle éventuellement d'argent. Ça nous parle de financier, de financement. Donc peut-être que le point d'accord est financier. Ça nous parle de quelque chose qui peut être un peu complexe et compliqué, mais d'extrêmement concret, hein. Donc, le point de désaccord peut être extrêmement concret. Ça peut être un salaire, ça peut être un engagement, ça peut être une paye, ça peut être le paiement de quelque chose, le paiement d'un client qui ne s'est pas fait et on est obligé de taper du poing sur la table pour récupérer son argent, des choses comme ça. Voyez comment ça peut vous parler en fonction du métier que vous effectuez, hein.
Quel est le conseil de l'univers pour vous? Nous avons le jugement. Révélez-vous. Libérez-vous. S'il y a quelque chose, s'il y a des choses à dire ici, on voit que vous vous libérez. Faites-le du mieux que vous pouvez avec beaucoup de charisme, de conviction. Mais faites attention donc aux règles et à la hiérarchie notamment. Ici, le jugement, en tout cas, il se libère, hein, il renaît de ses cendres, donc il ne se laisse pas faire. Il ressort victorieux, donc croyez aussi en votre victoire. Si l'on parle de compétences, on voit ici que vous cherchez des nouvelles solutions et que vous vous révélez au grand jour. On vous voit méritant, mérité, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les Capricornes ? On voit quand même qu'il y a quelque chose qui sort de l'ombre, c'est-à-dire que ce que vous pensez peut-être va être éjecté dehors et va être connu de tout le monde, entre guillemets. Ici, on retrouve ce côté dépendance, ce côté... Peut-être qu'on survole certaines de ses peurs de ne pas dire, par exemple. Et ici, on se révèle, on sort d'un état de soit de peur, soit de dépendance à l'autre. On n'osait pas dire parce qu'il y avait quelque chose qui nous liait à l'autre, qu'on avait peur de peut-être de perdre son soutien, de perdre son amitié ou de son aide. Et ici, on s'affirme beaucoup plus. Hein. Et on cherche des remèdes. Voilà. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Alors, comment les choses vont évoluer? La justice, donc un point d'accord parce qu'on pèse le pour et on prend des décisions en conséquence. On est juste, on est honnête, on est juste et on cherche à trouver un point où on est, où c'est bien pour tout le monde, entre guillemets. Hein. C'est vraiment ça, la justice. Il y a peut-être un sentiment de médiation aussi. On est peut-être obligé de faire la médiation. Je ne peux pas... demander une augmentation de 10 000 euros, il m'a dit non et il voulait me foutre dehors parce que je demandais 10 000 euros. Lui, il me propose 5 000, c'est pas juste non plus, c'est pas assez, je veux 8 000 dans ce cas-là. Donc chacun fait un petit effort pour que ça soit juste pour tout le monde avec la justice. Qu'est-ce qu'on a sur la justice ici ? Sur la justice. Et on rééquilibre quelque chose. On rééquilibre une tristesse, un sentiment de solitude. On voit peut-être qu'on parle de quelqu'un qui se sent, entre guillemets, seul ou qui a un moral un peu en dents de scie et qui a besoin d'être entendu, d'être réaligné, d'être au clair avec l'autre personne, hein, s'il y a une autre personne. Voilà, il n'y a aucune raison que un seul des deux soit touché par ce sentiment d'être un peu exclu, abandonné, seul, en larmes ou dans la complication. Qu'est-ce qu'on a sur la justice également ? Ah, celle-ci veut tomber. Ici, on parle de fermer les yeux. Peut-être que quelqu'un a été aveugle, s'est voilé la face. Et ici, il est question de mettre des vérités sur la table. Les vérités, c'est que quelque chose a été blessant, qu'on a peut-être laissé faire des choses ou laissé dire des choses, et ça a été blessant. Et là, on révèle, on crache la balda. Ok. Pour terminer, quelle est la synthèse du tirage? On voit le magicien. Il est question, en tout cas, de vos talents, de vos compétences, d'attirer peut-être les regards. Hein. Ici, ça peut vouloir séduire. En tout cas, on parle de vos compétences au centre de ce tirage. Ici, face aux complications, vous arrivez à trouver des solutions, vous déployez vos ailes, vous montrez votre charisme, votre potentiel, vous déployez votre potentiel. Et on voit que c'est ça dont il est question ici. Peut-être pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être pour obtenir une nouvelle mission, de nouvelles possibilités, un nouveau salaire, un nouveau quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien ? C'est peut-être aussi prouver dans une compétition que vous êtes celui qu'il faut, tout simplement. En relevant un défi particulier qui montre que vous avez les capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le magicien pour les Capricornes, dans le domaine professionnel ? Ici, nous avons...
la carte quand même magnifique de l'élévation, hein, donc de l'ascension aussi. Donc, c'est un peu comme si il fallait montrer patte blanche pour pouvoir évoluer aussi. Donc, c'est un peu comme si on reconnaissait quand même vos mérites ici, hein. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez. Après quelques critiques ou avoir le sentiment d'avoir été peut-être dévalorisé, ici, il est question de se revaloriser ou de se valoriser clairement. Alors, une deuxième carte, le pourquoi, et de comprendre les raisons pour lesquelles peut-être il y a eu ces points de tension ici. Donc, vous évoluez parce que vous comprenez peut-être un peu mieux les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui s'est passé, chose que vous n'aviez peut-être pas intégralement compris, puisqu'ici, il y a une leçon qui n'a pas été entièrement apprise et qui est obligée de revenir pour que vous puissiez compléter, entre guillemets, votre apprentissage de la vie. Ok. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Vous avez tous des vies différentes, bien entendu. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, hein. Et n'hésitez pas surtout à commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à voir comment ça résonne pour vous. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez juste un émoticône dans un commentaire et je saurai que vous êtes passé par là et je vous en remercie. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, je tenais à vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos partages. C'est ce qui permet à la chaîne d'avancer et c'est ce qui fait que je suis là, hein, tout simplement. Donc, je vous en remercie. Je vais prendre quelques jours de congé, donc je prendrai peut-être un peu plus de temps pour répondre à chacun de vos messages comme je le fais à chaque fois, mais sachez que je vous lirai quoi qu'il arrive et que je vous répondrai dès que ce sera possible. Je vous remercie en tout cas de m'accompagner. Prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.